Bonjour mes chers élèves de 3e année primaire, CE2, vous êtes les bienvenus. Je vous propose votre livre préféré, mon cahier de vocabulaire et de communication, de la part de CDRAP CDPL. Allons-y, on va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va identifier les métiers de la santé. Les métiers de la santé. Alors, les métiers de la santé, Alors, j'évalue mon vocabulaire, repère chaque métier et reporte son numéro sur l'image correspondante. Voilà. Et deuxième activité, coche tous les mots qui ont un rapport avec les métiers de la santé et ajoute 3 mots à cette liste. Alors, on va faire maintenant première activité. Alors, il y a plusieurs images ici, des médecins et des sapeurs-pompiers. Bonjour, chers élèves, vous êtes bienvenus. Alors, je vous présente les métiers de la santé. Les métiers de la santé. Al-mihen al-khassa bis-saha. Alors, prenez, s'il vous plaît, la page 12. La page 12. Alors aujourd'hui, on va voir plusieurs activités. J'évalue mon vocabulaire. Ici, il faut repérer chaque métier et reporte son numéro sur l'image correspondante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 images. Et coche tous les mots qui ont un rapport avec les métiers de la santé. Et ajoute 3 mots à cette liste. C'est à la page 12. Allons-y. On va faire maintenant ces activités. Allons-y. On va répondre à ces questions. Repère chaque métier et reporte son numéro sur l'image correspondante. Alors, le médecin généraliste. Alors, où exactement ce médecin généraliste? Alors, ça, ce qu'on appelle le médecin généraliste. C'est un. Le radiologue. Voilà, le radiologue. C'est deux. Voici le radiologue. Et voici le médecin généraliste. Le pharmacien. Voici le pharmacien. Le dentiste. Voici le dentiste. L'ophtalmologiste pour les yeux. Voici l'ophtalmologiste. 5. L'ambulancier, c'est 5. C'est 6. Le kinésithérapeute, c'est 7. Et enfin, le pédiatre, c'est 8. C'est le médecin généraliste. Le radiologue. Il y a le tabib khas mokhtas bi radio. Tu as vu une image de le radiologue. Voici le pharmacien. Et derrière, ce sont les médicaments. ماشي بائع الأدوية هذا تسمى صيدلي ماشي بائع الأدوية صيدلي لو فارماسيان alors il est dans la pharmacie voici les médicaments le dentiste طبيب الأسنان
l'ophtalmologiste, pathologue, l'ambulancier, l'ambulancier, le kinésithérapeute, le kinésithérapeute et le pédiatre, le médecin généraliste, le pédiatre, le dentiste, l'ophtalmologue, le kinésithérapeute, l'ambulancier, le pharmacien et le radiologiste. Le radiologue. Le radiologue. Très bien. Alors ici, coche tous les mots qui ont un rapport avec le métier de la santé. On va lire d'abord. Bouger. Un chirurgien. Un chirurgien. Un infirmier. Une aide-soignante. Une orthophoniste, une sage-femme, une secrétaire, un anesthésiste. Alors, coche tous les mots qui ont rapport avec les métiers de la santé. Alors, il y a un boucher, un chirurgien. Alors, je choisis un chirurgien. Toujours avec un infirmier, une soignante, une sage-femme et un anesthésiste. Et sans oublier, bien sûr, une orthophoniste. Et ceci, c'est parmi les métiers de la santé. Alors, on a un chirurgien, un infirmier, une soignante, une sage-femme, un anesthésiste et aussi une orthophoniste. Une orthophoniste. Ajoute trois mots à cette liste. Alors, on a gynécologue. Alors, gynécologue. On a ici biologiste médical, ici c'est réanimatrice. Ah, réanimatrice. Alors j'enrichis mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Quel est le synonyme du mot gras? Écoche la bonne réponse. Ma mère m'emmène chez le pédiatre. Ma mère m'emmène chez le pédiatre. Le pédiatre, c'est quoi? Est-ce que c'est un médecin, dentiste ou ophtalmologiste? Bien sûr, c'est un médecin. Le brancardier sort le blessé de l'ambulance. Le brancardier sort le blessé de l'ambulance. Est-ce que c'est un infirmier? Est-ce que c'est un chirurgien ou un ambulancier? Bien sûr, c'est un ambulancier. On appelle le brancardier. Le brancardier. Il faut prendre ce remède si tu veux aller mieux. Il faut prendre ce remède si tu veux aller mieux. Ce remède, ça veut dire chemin, médicament, rendez-vous. Alors, je choisis pour vous médicament. Ce remède veut dire ce médicament. Avec cette maladie, cela fait des mois qu'elle est à la clinique. Avec cette maladie, cela fait des mois qu'elle est à la clinique. La clinique, c'est quoi? Est-ce que l'hôpital, la maison ou l'infirmerie? L'infirmerie et l'hôpital, bien sûr, c'est l'hôpital, c'est pas l'infirmerie, c'est l'hôpital. Alors, le pédiatre, c'est qui exactement? C'est un médecin des enfants. Le brancardier, c'est l'ambulancier. Remède, c'est médicaments, la clinique, c'est l'hôpital. Alors, coloris d'une même couleur les mots qui font partie de la même famille. On va commencer par psychisme. Alors, psychisme, il y a psychologue, il y a psychiatre.
Et psychologie, voilà. Psychisme, psychologue, psychiatre, psychologie. Alors pour la médecine, on a médecin, on a médical, on a médicament. Médecine, médecin, médical, médicament. Il y a un psychisme, il y a psychologue, psychiatre, psychologie, et médecine, il y a médecin, médical, médicament. Pour don, il y a dentaire, il y a dentition, il y a dentiste. Pour œil, alors il y a ophtalmologie, ophtalmologiste. Œil veut dire ophtalmologiste, ophtalmologie. Et ophtalmologiste. Voilà. Œil. Tout ce qui a rapport avec l'œil. Ophtalmologie. Ophtalmologiste. Voilà. Alors, psychisme. Psychologue. Psychiatre, psychologie. هذا مختص بعلم النفس. Médecine, médecin, médical, médicament. هذا عنده علاقة بالطب وبالأدوية. Donc dentaire, dentition, dentiste, TPSN, oculaire, œil, ophtalmologie, ophtalmologiste, hadakhasbi, en, aotep, entoure le mot qui a été abrégé et couche le mot entier auquel il correspond. Entoure le mot qui a été abrégé. Par exemple, mon frère a rendez-vous chez le psy. C'est quoi le psy? Le psy, est-ce que le psychique, le pseudonyme ou psychologue? Alors, je préfère le psychologue. L'ophtalmo m'a prescrit de nouvelles lunettes. L'ophtalmo, c'est-à-dire l'ophtalmologiste. Je dois faire 20 séances chez le kiné pour ma cheville cassée. C'est pas kilomètre, c'est pas kidnappeur, mais kinésithérapeute. Alors le psy veut dire psychologue, l'ophtalmologue, c'est l'ophtalmologiste et le kiné c'est le kinésithérapeute. Voilà, c'est la page 13. C'est tout pour le moment et à la prochaine. Merci pour votre attention.